Quand Mitou entra à l'intérieur du tipi de la chamane, il la regarda longuement. Elle ressemblait, trait pour trait, à Japangati. Lune de jour m'invita à prendre place en face d'elle. Elle était justement en train de fabriquer un attrape-rêve. Elle me montra les différentes étapes de sa fabrication. Je voyais naître sous ses doigts, agile, un attrape-rêve.
raconta que selon une légende huronne, un homme a fait des mauvais rêves successifs pendant plusieurs jours. Cette légende dit que l'homme qui veilla sur ses frères et sœurs partait à la recherche de nourriture dans l'espoir de trouver un animal à chasser. N'ayant pas trouvé d'animal, il décida d'entrer dans une grotte où il ferait la rencontre d'un esprit maléfique et d'une bête dont l'apparence faisait trop peur. Envahi par la peur, l'homme s'enfuit et rentra chez lui. Depuis ce jour, poursuit-elle, il n'a cessé de faire des mauvais rêves. Les jours et les nuits passèrent, mais le cauchemar l'a toujours suivi. Un jour, il est parti dans la forêt, mais étant trop fatigué, l'homme a fini par y dormir. À son réveil, il n'a plus fait de mauvais rêves. En se levant, il aperçut une toile d'araignée au-dessus. Il pensait alors que cette toile était à l'origine de ceci. Il a alors décidé de toujours dormir près d'une toile d'araignée et n'a plus jamais fait de cauchemar. La tribu, convaincue de cette situation, a commencé à utiliser la toile pour en faire une capture de rêve. L'une de jour me proposa de m'allonger sur le sofa. Juste au-dessus se trouvait un attrape-rêve. Elle me demanda de fermer les yeux pendant qu'elle posait sa main sur mon front. Je fus pris de soubresauts, mon visage perlait de sueur, quand soudain, tout me revint en mémoire. Tu veux connaître la suite des aventures d'Angèle? Il suffit de t'abonner, tu recevras chaque semaine des nouvelles vidéos. Si tu veux, tu peux me laisser des likes, ça fait toujours plaisir.